Le lundi 6 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 95 tests réalisés, 4 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par nos services et 1 cas issu de la transmission communautaire. 10 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 226 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 92 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, on a 131 cas sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population sénégalaise son appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective. Malheureux leen communiqué wu tay bi tay altiné djuroom benn fan ci wéru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jotna résultat wu test tay ci djuroom ñen fukki test ak djuroom yu ñu réalisé ñent ñoo ci positif bon nak ñent ñoo ci am jangroj ñetti ay cas contact yu ñu doon suivre la. Benn bi mom lañuy wax transmission communautaire mënuguñ ko lënkelé kenen ñu leen di yëgal tam né tay fukki patients yu néwon hôpital wër nañu bësu tay bi dañ leen génn hospitalisation ci bëss bi ñu yëgal né donc ñi xamantene ñi ngi hôpital ji faju ñi ngi yëk tan bu baax ci bëssu tay bi ba mu dooré ak légui ñaar témèr ak ñaar fukk juroom benn cas mom lañu déclaré Sénégal ñi ci wër ndëk juroom ñeen fukk ak ñaar lañ ñaar ñoo ci génn aduna kenn ki ñu évacué ko bon ndëk ci bësu tay bi ñi nekk hôpital ñu leen di faj ñi ngi tollu ci témèr ak fanwer ak benn ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaan population yi ñu teunku bu baax ci liñ leen di digal pour que xex bi contre COVID-19 ñu mën ko gagner ci numu gëné. Ma ngi leen remercier beaucoup.